I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! A spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! N.W.O. The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Eh bien oui, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à cet quatrième épisode du Wrestle Rock Podcast. Nous sommes le 31 mai. Mon nom est Benoît Laferrière. Je suis en compagnie de Jonathan Drapeau. Ça va bien, Jo? Salut, bien, en forme. Très bien, très bien. Cool. Salut, chers auditeurs. J'espère que ça va bien. Nous sommes déjà à la fin du mois de mai. Ça va vite, hein, sérieux? Oh oui, puis là, on voit ça que ça fleurit dehors, puis commence à faire beau, puis on est en déconfinement. Fait qu'on est motivé. C'est le fun. Qui dit mois de juin dit grande finale du Battle of the Bands. Ben oui, hey, ça approche vite, là, les gens. Continuez de nous suivre, de partager, de commenter. On est déjà en finale, puis ça bouge beaucoup. Fait que c'est ça, dans le fond. Tu voulais commencer avec quoi, là? Nous, on est présentement dans le bulletin musique. Donc, tu voulais y aller avec quoi, mon Ben? Veux-tu que j'ouvre le bal? Ah ouais, donc, c'est à ton tour de choisir. Super, parfait. Good, donc, ben alors, écoute, on va y aller comme suit. Parlons d'une chanteuse québécoise. Oui, je te vois venir, là. Ben oui. La belle Charlotte Cardin, qui a commencé sa carrière, dans le fond, avec l'équipe de La Voix. Elle s'est fait connaître, oui. Dans le fond, à La Voix. Puis, il y a une dizaine de jours environ, dans le fond, elle a sorti... plus de 10 jours, elle a sorti un nouvel album, son premier album, il s'appelle Phoenix. Son premier album en anglais, parce que je pense qu'elle a commencé à parler, à chanter en français, oui. Ouais, puis je crois qu'elle est anglophone aussi. Ah, oh, ça se peut fort bien. Ouais, ouais, elle est parfaitement bilingue, là. Okay. Elle parle aussi bien en français qu'en anglais. Puis, c'est le fun pour elle, puisqu'elle a pu se démarquer dans le Billboard des albums canadiens les plus vendus. Son album est intitulé Phoenix. Ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, elle a dépassé l'album de Justin Bieber, Justice. Ouais, Justice. L'album The Weeknd. Highlights. The Highlights. Fait que c'est vraiment cool, honnêtement. C'est le fun de voir qu'il y a une belle... Il y a une belle avenir pour cette jeune femme-là qui semble bûcher beaucoup depuis les dernières années. On se souvient qu'à une certaine époque, elle a eu l'occasion de pouvoir performer à Chicago en 2018 au Lollapalooza. Ouais, c'est ça. Au Lollapalooza. Lollapalooza, wow. C'est à ne pas négliger, honnêtement, Lollapalooza, là, pour te mettre en contexte, Ben. Là. Ouais. Lollapalooza, là, c'est comme... Si on peut comparer, c'est pas tout à fait comme l'ancien Woodstock de l'époque aux États-Unis, mais c'est un petit peu le même principe. C'est aussi gros, aussi prestigieux. Fait que c'est vraiment le fun. Puis il n'y a pratiquement aucun Québécois, hein, qui sont sur les line-up du Lollapalooza. Fait que c'est vraiment cool. Félicitations, Charlotte. On est content de voir qu'un artiste québécois réussit dans ce milieu. C'est très dur de réussir. Oui, c'est ça. Puis récemment aussi, on a appris que Charlotte Cardin allait faire une tournée européenne. Donc, elle va pouvoir se promener de pays en pays. Donc, je vais vous énumérer un petit peu les pays sur lesquels elle va se promener. Donc, elle va commencer par la Pologne, la Russie, les Pays-Bas, l'Allemagne, la France, le UK puis la Belgique. C'est fou, là! Une grosse tournée européenne qui attend cette jeune femme. Maintenant, là, c'est... Mais entre toi et moi, là, pour vrai, Charlotte Cardin, là, la voix, là... Moi, je trouvais... J'ai tout le temps trouvé que cette fille-là se démarquait. Puis je savais qu'elle allait aller loin, mais loin comme ça, c'est fou, là. Fait que, tu sais, honnêtement, je mettrais de l'argent là-dessus, là, mais j'y souhaite vraiment un bel avenir, puis que ça pourrait peut-être être, pourquoi pas, une Céline Dion
une future star mondiale, tu sais. On sait pas, parce qu'on sait que Céline Dion a vieilli, là, mais veut pas. Ça va prendre de la relève, puis tu sais, c'est le fun de voir qu'une jeune fille comme Charlotte Cardin va pouvoir faire le tour du monde, puis tout ça. Fait qu'on lui... Souhaitons-lui la meilleure des chances. On va changer de sujet. On souhaite bonne chance à Charlotte Cardin, bien sûr. Maintenant, on va enchaîner avec un sujet qu'on a déjà parlé dans le podcast précédent. C'est il y aurait des chanteurs comme Jay-Z, Snoop Dogg, NAS pour Nas. Nas, yes. Ouais. Ils vont sortir un album pour rendre hommage au regretté DMX décédé en avril dernier. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est drôle parce que depuis quelques mois... Chaque fois, on dirait que DMX nous suit dans nos podcasts. C'est comme la troisième fois qu'on... Mais c'est important, tu sais, de le souligner parce que ça a tellement été une personne importante. Puis c'est le fun de voir que le milieu artistique est stimulé puis qu'ils reprennent contact, ils font des projets ensemble. On voit que, tu sais, dans le milieu artistique, ça bouge beaucoup, tu sais. Fait que c'est le fun de voir que Jay-Z, Snoop Dogg, Nas vont travailler tous ensemble pour un nouvel album. Donc, c'est vraiment cool. En parlant de Snoop Dogg, t'aurais-tu une petite nouvelle pour nous à propos de sa fille, Corey? Oui, on va enchaîner tout de suite avec sa fille. Ben, figurez-vous que sa fille, âgée de 21 ans, Corey Brodus, a récemment admis sur Instagram qu'elle avait tenté de mettre fin à ses jours. Ah ouais. Après plusieurs insultes à son endroit sur les réseaux sociaux, elle se faisait traiter de grosse, de laide, de bitch. Excusez-moi pour mon langage. C'est de l'intimidation. Ouais, on va ouvrir une parenthèse à propos de l'intimidation, tu sais. Moi, quand j'étais plus jeune, puis tu le sais autant que moi, on a passé par là. Ah, oh, exactement. Un petit peu, tu sais, je me souviens au primaire, là, mon Dieu, que si j'étais capable de passer, si on était capable de passer entre la tapisserie et le mur à l'école, on l'aurait fait, tu sais. L'intimidation, ça a toujours fait partie de nos vies, tu sais. Il y a une chose, par exemple, qui était, ben, pas le fun, mais tu sais, qui est un petit peu différent d'aujourd'hui. Puis, quand on arrivait chez nous le soir, on avait appelé. Oh ouais, on avait tellement hâte que la journée finisse. Ouais, c'est ça. Mais quand t'arrivais à la maison, tu pouvais te décrocher. Exactement. T'avais appelé, il n'y avait pas personne qui t'écœurait. Aujourd'hui, tu vas te faire intimider, ces médias sociaux, tu vas être chez vous, puis ils vont continuer à t'écœurer. Ouais, exactement. C'est, honnêtement, il va falloir que, je pense, ça c'est mon point de vue personnel, mais je pense qu'il va devoir avoir une certaine genre de police des médias sociaux qui va devoir... Ben, ça a déjà commencé, je pense, ouais, ben, ça s'en vient, là, tu sais, on voit qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'abus dans le passé. Moi-même, tu sais, je n'aimerais pas personne. Non. OK, mais je peux vous dire, c'est une personne de Québec. Elle m'a déjà fait des menaces de mort. C'est une personne de la Rive-Nord. OK. Elle m'avait écrit des menaces de mort sur Internet. J'espère que la personne se reconnaît bien, si elle nous entend. Je trouve ça bien ordinaire, mais bon, ça fait partie de la game. Ça va qu'il y a des gens qui doivent... C'est leur façon de se rendre puissant. Puis je vais continuer sur la fille de Snoop Dogg. Je vais continuer un peu sur sa petite histoire. Considérant que mai est le mois de la maladie mentale, Brodus a rejoint sur les médias sociaux quelques milliers de personnes qui racontent leurs histoires. Toutes les histoires d'intimidation qu'ils ont vécues. Ouais. Des malaises, n'importe quoi. Ben oui. Dans une vidéo, Brodus explique comment elle se sentait pas bien et que pour elle, mettre fin à ses jours était la meilleure option. Heureusement, elle s'est reprise en main. Elle n'a pas passé à l'acte et on est fiers d'elle. C'est fou pareil, hein, ce qui se passe en ce moment. T'sais, de, la souvent, fille d'une vedette qui se fait ben intimider, ouais, c'est plus pas drôle. C'est fou. Là, quand Snoop Dogg, c'est un des plus grands dans le rap. Puis tu sais, on parle d'intimidation, mais tu sais, comme Jacques Rougeau, là, tu sais... Oui, on en a parlé beaucoup. Il a fait des campagnes de sensibilisation, il faisait la tournée des écoles pour venir en aide aux jeunes victimes d'intimidation, puisque lui-même, quand il était plus jeune, il était victime d'intimidation. De la part des British Bulldogs, c'est ça, surtout Dynamite Kid. Ouais, c'est ça. Puis il y a eu aussi Georges St-Pierre, à une certaine époque, qui, avant de faire des arts martiaux, se faisait intimider là, à l'école. Là, tu sais. C'est grave ce qui se passe en ce moment, mais il faut que les gens soient de plus en plus... éduquer. Il faut sensibiliser le monde aussi avec ça, parce que c'est pas drôle. Il y en a tellement qui ont... la fille à Snoop Dogg n'a pas passé à l'acte, mais il y en a tellement là, qui sont suicidés ou qui sont devenus dépressifs par rapport à ça. Ben, t'sais, on en a tous un près de chez nous qui en est venu à les actes suite à ça. T'sais. Fait que, bref, c'est un peu de la merde, mais t'sais, éventuellement, on pourrait peut-être... développer à ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, puis je sais que toi aussi, c'est un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Donc, passons à un autre sujet.
Est-ce que tu savais que il y a une nouvelle chanson de DJ Khaled qui s'appelle Sorry Not Sorry, qui implique dans le fond James et Harmonies by the Hive. On va prendre quelques minutes dans les prochaines journées pour vous publier dans le fond cette chanson-là. C'est vraiment une chanson DJ Khaled, honnêtement là. C'est le prochain. Comment il s'appelait déjà le DJ, le DJ super connu. Là. Je parle pas de Daniel Denoyer. Là. Je parle de. Voyons, comment il s'appelait déjà Maud. J'allais sur le bout de la langue. Ma blonde serait ici, elle me dirait. Ah oui, c'est ça. Mais bref, il fait plein de films. On fera une recherche pour vous dire le nom très bientôt. Puis, c'est un futur. Donc, continuez à le regarder puis à écouter ses trucs. C'est dément ce qu'il fait. Toujours côté rap, eh bien, les trois chanteurs rap, Ice Cube, Dr. Dre et The Game, ont sorti ensemble une nouvelle chanson qui a pour titre In the Hood. On va la mettre bientôt sur notre page Facebook. Je vous encourage fort bien à aller l'écouter. Ah, c'est fou, là. Pour vrai, là, tu sais, ça fait 3 épisodes qu'on en parle et j'ai l'impression de me répéter. Non, c'est d'accord. C'est fou ce qui se passe en ce moment dans le milieu artistique, surtout au niveau du hip-hop et du rap. Les gens ont sorti leur tête de leur boîte de conserve enfin, puis ça fait du bien. Honnêtement, du nouveau flow pour l'été 2021, ça fait du bien à tout le monde, puis ça motive les troupes, surtout avec la période dans laquelle on vient de passer. Ouais, la maudite COVID. Ça va nous faire du bien à tout le monde. Il y a également, faut pas oublier qu'il y a également la participation de MC Hyde dans cette chanson-là. Yes. Il y aura aussi un concert de Shinedown le 8 octobre prochain à la ville de qui? À la ville des Young Bucks. Ouais, Jacksonville, c'est ça. Jacksonville Rock Station. Donc, c'est ça. Pour plus d'informations, vous pouvez aller visiter le site web au 1073 planetradio.iheart.com. Ouais, c'est ça. Donc, ensuite de ça, il y a une collaboration du membre du groupe légendaire Fletcher, Drag and Byron. Mais ça peut être plusieurs membres de groupe. Ok, c'est plusieurs. Ça peut être deux, trois membres, juste un membre. Ok, c'est deux membres de Pennywise. What? Et puis un membre de Suicide Tendencies. Puis deux membres de Rancid. C'est ça, hein. Est-ce que dans le fond, ils se montent un band ou comment ça va fonctionner? Est-ce que tu as plus d'informations? Moi, dans la recherche que j'ai fait, c'est ces cinq personnes-là que tu as nommées. Ils ont parti à un groupe qui s'appelle The Crew. OK. Ça l'a vu le jour avec un nouveau single nommé One Voice. Ah, OK. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Super. Bien, à surveiller sur les médias sociaux et sur YouTube prochainement. D'ailleurs, n'oubliez pas que YouTube, on a une page YouTube. Vous pouvez en tout temps vous abonner. Et puis, partager nos vidéos, ça nous fait toujours plaisir. Donc, merci beaucoup de nous suivre. Ensuite, dans une récente interview, l'ancien chanteur du groupe punk britannique Sex Pistols... Là, on va pas dire que c'est mon groupe fétiche. Non, hein? Je fais comme ça que ça gueule. Johnny Rotten, de son vrai nom John Lydon, explique comment il doit gérer le fait de s'occuper de sa femme qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, Nora Forster. Faut t'ajouter qu'elle a 13 ans plus vieille que lui. Ouais, c'est sûr que c'est pas un cadeau se battre contre la maladie d'Alzheimer, parce que tu peux pogner l'Alzheimer même quand t'es dans la trentaine. J'avais écouté une émission, c'était ça, la fille elle avait genre 40 ans et était déjà Alzheimer. C'est pas drôle, là, s'occuper de quelqu'un. C'est comme s'occuper de quelqu'un qui est autiste, faut peut-être que tu sois avec, faut peut-être que tu sois capable de guider la personne. C'est fou, là, ils deviennent. Ils retombent en enfance un petit peu, tu sais. C'est un combat contre la maladie qu'elle mène, mais malheureusement, les affaires au cerveau et neurologiques, c'est incurable. Ah, c'est vraiment pas facile, tu sais. D'ailleurs, le papa du parrain à ma fille. Le papa du parrain de... Oui, bien sûr. Ouais. Il est décédé de la maladie d'Alzheimer. OK. On a tous quelqu'un proche de nous. C'est un Moses de maladie-là. Là. C'est fou là, ce qui se passe. J'espère qu'un jour, ils vont réussir à trouver un traitement pour ralentir ou peut-être, tu sais, on ne sait pas. Il y a des maladies, c'est ça que c'est pas évident. Non, c'est maladies neurologiques, tout ce qui est cerveau. Là, ouais. C'est difficile. Le cerveau, c'est pas comme le cœur. Il y a beaucoup de recherches, puis ils vont trouver des traitements, puis des opérations, des pontages. Mais le cerveau, ça marche pas de même. T'sais, c'est un organe, tu sais. C'est pas un membre. Fait que, tu sais, si t'as un problème à un bras, à la limite, si t'arrives quelque chose, puis t'amputes un bras, ben t'as un autre. Mais là, te faire amputer le cerveau, c'est une autre affaire. Ben, c'est ça. Ouais, je comprends.
La formation Walk of the Earth a repris la chanson fétiche de Rocky III, Eye of the Tiger, The Survivor. Oh oui, je l'avais écouté, oh oui, tu m'as l'envoyé, puis elle est tribale. Honnêtement, j'ai découvert beaucoup plus Walk of the Earth pendant le confinement. Puis c'est devenu un de mes groupes préférés. Pour vrai, je connaissais un peu Walk of the Earth parce que j'en avais entendu parler, puis blablabla, ils faisaient des tournées, tout ça. Mais ils sont sensationnels, puis je vous invite à les suivre. Pour vrai, c'est juste génial. Du 23 au 26 septembre, à Orlando, en Floride, il va y avoir un festival qui s'appelle Rebel Rock, avec des groupes comme Limp Bizkit, Machine Gun Kelly, Hatebreed, Wu-Tang et plusieurs autres. Je trouve que c'est vraiment cool. Sais-tu à quel genre de festival ça me fait penser? Je sais pas si tu te souviens dans le temps, là, mais tu sais, Family Value. Là. Ah, ouais, ouais, ça, dans le début 2000, ouais, ouais. Hey, c'était fou, le Family Value. Tu sais, c'est quoi, ça a commencé genre à la fin des années 90, puis ouais, c'est comme un. C'était comme un nouveau concept de festival qui c'était comme pas fait nulle part. Ils en font plus de ça, hein? Non, je pense pas. Mais. C'est fou parce que là, c'est arrivé comme en même temps que tous les gros bands qu'on parlait lors de nos derniers épisodes, tu sais, Weezer, Offspring, Limp Bizkit, Rage Against the Machine, et j'en passe, tu sais. Toutes des groupes des souviens, années. Je me souviens de ICP, tu sais. Toutes des groupes des années 90. Oui, c'est ça, mais c'est tout des groupes qui ont marqué notre enfance puis qui ont marqué. Oh, les gens. Exactement. Je trouve ça le fun qu'ils ramènent puis. Le fait que ça s'appelle Rebel Rock, je trouve. En tout cas, le concept me titillait pas mal. Fait que j'avais le goût qu'on en parle aujourd'hui. Une nouvelle qui va peut-être en surprendre plusieurs, écoutez bien ça. Il y a un nouvel artiste qui a vu le jour récemment. Il se nomme Tom McDonald. Et devinez c'est qui l'a pris sur son aile? Eminem, le rappeur Eminem. Oui, le très populaire Eminem. Slim Shady. Ouais, exactement. Ouais. Et il l'a pris sur son aile en produisant la chanson qu'il interprète. Elle est intitulée Dear Slim. Ouais, puis. On la met trop éventuellement. Ça, hein. Ça flow pas pire, mais. Si le monde veut l'écouter. Là. Personnellement, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec la nouvelle génération de rap. Puis, j'achète pas beaucoup. Tu sais, j'ai. Ça, c'est l'opinion de tous et chacun. Ouais, non, c'est sûr. Tu sais, il y en a qui doivent triper sur McDonald's. Perso, j'ai un peu de misère. Mais je dis ça, mais il y en a que j'aime bien, tu sais. C'est comme Matt Child, j'aime beaucoup son flow, j'aime bien ce qu'il fait, tu sais. Mais j'accroche moins à McDonald's. Je vous invite à visionner la vidéo, puis on s'en reparle dans une publication sur nos médias sociaux. Hey, ça te tente-tu qu'on parle de Judas Priest? Non. Ben non. Hey, que je te vois, toi. Eh bien, écoutez ça, mes amis. John Hinch, l'ex-batteur de Judas Priest, malheureusement, est décédé le 29 avril dernier, à l'âge de 73 ans. Selon certaines sources, il serait mort après être tombé gravement malade la veille. Les fans se souviennent de lui pour avoir été au premier album, dans le premier album, dans le fond, Rock'n'Rolla. Il a commencé dans le groupe en 1973 pour le quitter en 1975 après certains différends avec le guitariste Glenn Tipton, selon certaines rumeurs. On n'a pas confondre avec Glenn Jacob. Non. C'est pas la même personne. Pas tout à fait la même chose, parce que. Non, ils ont peut-être 200 livres de différence. À peu près. On parlait de tournées, concerts, festivals. Ah, les tournées d'été, oui, bien ouais, sûr. Oui, ben. Notre groupe, bon, c'est un de nos groupes préférés. Oui, c'est un de nos groupes fétiches. Oui, à l'époque, on n'écoutait pas mal. Seven Dos, en juin et juillet prochain, ont annoncé qu'ils feraient 18 concerts. Qui impliquerait également, dans le fond, Austin Mead et Kira. Je les connais pas. Ah, moi non plus, ça me dit rien. Kira, mais je vais aller, on va faire nos devoirs, puis on va aller les faire des recherches, puis on va revenir avec ça. On va parler d'un retour, d'une reformation de groupe, celle de Genesis. Oui, le groupe Genesis fera une tournée automnale intitulée The Last Domino et fera escale au Centre Bell. En novembre 2021. Cette tournée s'arrêtera dans 14 villes en Amérique du Nord. Est-ce que tu savais? Ouais, j'avais vu quelque chose par rapport à ça. Donc, ils vont... Il y a juste une affaire, c'est que je pense que Peter Gabriel, il est pas là-dedans, par exemple. Ben, c'est ça que
je semblais voir, tu sais, je voyais sur la les têtes d'affiche, il y avait Mike Rutherford puis Phil Collins et Tony Banks. C'est une réunion du trio original, c'est ça? Ouais, c'est ce que je pense. Puis tu sais, Phil Collins, honnêtement, là, il vieillit. Je pense qu'il est malade. Ça se peut-tu? Ouais, je pense qu'il arrive à 70 ouais, ans. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis la dernière fois qu'il a fait un concert à Québec, les gens m'avaient dit que c'était pas genre... Tu sais, quand je parle de Québec, je parle du grand Québec. Ah, non, c'était pas le Phil Collins des beaux jours, c'est ça? Non. C'était lourd comme spectacle. Okay. Genre, ça me surprend parce que Phil Collins, d'habitude, il est de la marchandise. Excusez-moi. Dans le fond, on sentait qu'il était fatigué pendant son spectacle puis qu'il oubliait des choses. C'est sûr que quand tu fais des tournées, c'est sûr, ça doit demander physiquement, mentalement, ça doit demander. Il était rendu à quel âge déjà, Phil Collins? Je pense qu'il a à peu près 70 ans. Je pense qu'il est en 1950-51. Ah, dans ce coin-là. Je vous jure pas, là, mais c'est dans ce coin-là qu'il est. Yes. J'ai pas la date par cœur. D'ailleurs, moi, Phil Collins, je l'adore. Là, et moi, donc? Tout ce qui est Genesis, etc. Tu sais. Même en solo, il était très bon. J'ouvre une petite parenthèse, puisque Martin Levac, tu connais Martin Levac, lui qui interprétait l'hommage à Phil Collins au Capitole de Québec, je l'ai rencontré. Ah oui? Je l'ai rencontré au Montreal Drum Fest il y a quelques années. Une personne super sympathique. Mais il connaît son Phil Collins. Là. C'est un peu comme... c'est un petit peu comme mon ami François Lepage-Gauthier qui a d'ailleurs le Music Fest podcast. Ah ben oui, son fameux podcast. Oui, c'est ça. Des fois, il reçoit des invités. Là. Oui, c'est un chic type. Oui, oui, oui. Puis François... c'est un mordu de kiss. On se connaît. Ben oui, c'est un bon ami à moi. Puis c'est un mordu de kiss. Puis d'ailleurs, on s'est connus grâce à Kiss. On le salue d'ailleurs. Yes, je te salue mon Frank. J'espère, salut Frank. J'espère que tu vas bien. Puis, c'est ça, dans le fond, on prend juste un petit, petit shout-out. Puis, simplement, vous inviter aussi à aller voir ce qu'il fait, Music Fest Podcast. Super intéressant, des super de bons invités. D'ailleurs, un de ses premiers invités, c'était le chanteur de Yellow Molo. Et t'as moi, ça va avoir des codes d'écoute en maudit. Ouais, ben c'était bien, là. Honnêtement, ce qu'il a fait. Puis on apprend plein de belles choses. Puis là, il y a Sally Folk, je pense, là, prochainement. Là, ouais, ouais, ça, tu m'en as parlé l'autre jour, ouais. Où je crois que ça a été fait, là. Donc, prenez deux minutes, puis allez voir ça. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Il y a eu le Rock and Roll Hall of Fame récemment, Ben. Tu veux-tu nous en parler un petit peu? Ouais, ben je vais mentionner la recherche que j'ai faite. Le Rock and Roll Hall of Fame 2021 a annoncé ceux qui seront officiellement intronisés cette année parmi les plus grands de ce panthéon musical. Mm-hmm. Écoutez bien ça, les amis. The Go-Go's, Jay-Z, Carole King, Todd Rundgren, Tina Turner, et vous l'avez deviné, vous allez le voir dans le visuel qu'on a publié, les Foo Fighters, mesdames et messieurs. Oui, puis Foo Fighters, honnêtement, là, they deserve it, là. On s'entend. Ah, ils méritent leur place amplement. Ça fait longtemps qu'il aurait pu être là. Ah, Dave Grohl, il est trop hot, là. Lors d'une entrevue avec Gene Simmons, il s'était fait poser la question. Oui. Selon toi, c'est qui sera le prochain groupe de rock à être intronisé à la fin? Qu'on va parler encore dans 30 ans. Ouais. Comme un Beatles, comme un... comme un Elvis, genre. Comme un Elvis, ces choses-là. Comme un Céline Dion. Il a dit Foo Fighters. Ah, ben t'as l'air là, je suis... Il s'est pas trompé. Il a vu juste. Oui, c'est ça. On va l'appeler Nostradagine. Je suis vraiment content pour Dave Grohl et son équipe, tu sais. Ouais. On va l'appeler Nostradagine. Nostradagine Simmons, il prédit l'avenir. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Fait que les Foo Fighters vont être intronisés au temple de la renommée. C'est vraiment un bel exploit, puis il mérite vraiment beaucoup. D'ailleurs... je sais pas si tu avais vu les Foo Fighters quand ils sont venus au Festival d'été. Non, mais je pense que tu m'avais envoyé. Il y a eu un orage, écoute, des tu m'avais envoyé un lien, je pense. Tornado sur scène. Lui, à l'époque, il s'était cassé la jambe. Il avait monté une espèce de chaise royale pour lui, là, brandé Foo Fighters, puis il jouait sous la pluie. Les gars étaient complètement en tremble. Le show a duré 15 minutes. À peu près. C'est un des plus beaux shows. C'était au Festival d'été, ça? Ouais. Ils mouillaient à Sio, puis ils n'ont pas cancellé le show, ils ont joué pareil. Ils ont commencé à jouer, mais à un moment donné, c'était,
c'était intense. Il pouvait plus jouer parce que là, il y avait des tornades d'eau sur la scène tellement qu'il faisait pas beau. Ah, là, oui. Fait que là, ça devenait dangereux, puis il y avait des éclairs, puis tout. Puis là, ça part de s'électrocuter. Ben, exactement, c'est pour ça qu'ils ont arrêté le show. Mais. Ils l'ont refait le lendemain, dans deux jours après, ça se peut-tu? Non, ils l'ont pas refait. Ils l'ont pas refait. Il faut qu'ils leur fassent le show. Je pense qu'ils sont revenus. Ouais, je pense que c'est ils ça. Ils sont revenus une année d'après. Mais. Je pense qu'il y a une petite serveuse, on leur demandait dans le temps, elle m'avait dit qu'elle avait été voir. Non, c'est vrai, elle m'avait dit. Ah, mais ça se peut. Puis. Je crois qu'il était supposé venir prochainement à Montréal, mais là, avec le Moses de COVID, ça allait plus couper. Mais c'est un groupe que je veux vraiment voir live, donc voilà. On va parler de ton chanteur fétiche, Joe. Le grand Alice Cooper, mes amis. Oui, oui, mesdames et messieurs. T'en parles ou j'en parle? Oui, tu peux y aller, vas-y. C'est beau. Merci, Joe, t'es bien gentil. Le 30 avril dernier, le grand Alice Cooper a sorti sa fameuse sauce piquante. Elle est disponible sur son site web au http://www.alicecooper.com. Puis là, je vais vous mentionner ces trois sortes de sauces. Écoutez bien ça. Sa sauce douce se nomme Welcome to my nightmare. Sa sauce moyenne se nomme No more Mr. Nice Day. Et sa sauce piquante forte se nomme Poison, en référence probablement à sa chanson. Ben, en fait, les trois chansons, Welcome to My Nightmare, No More Mr. Nice Day, mais la tune c'est No More Mr. Nice Guy, mm-hmm. Puis dans le fond, Poison, c'est trois chansons importantes que Alice Cooper a faites. Ah, ben ça va de... C'est des jeux de mots un peu. Ça va du premier degré au troisième degré. C'est ça. Puis vous pouvez le trouver dans le fond au alicecooper.com, dans la section shop. Durant une récente interview avec Sydney Taylor dans le Metal From The Inside podcast, Alice Cooper a révélé trois grosses promesses qu'il fait à tous les musiciens qui se joignent à lui dans son band. Écoutez bien ça, les fameuses promesses. D'un, vous allez être payé. C'est déjà une bonne chose. Pourquoi? J'imagine que dans le fond... Il fait pas ça gratis, maudit. Mais écoute, c'est tellement difficile, le milieu artistique. Exactement, c'est ça. Écoute, je vais ouvrir une parenthèse parce que ça vaut la peine. Ouvre ta parenthèse. Vous allez être payé et tout ça, tu sais. Je connais Maxime du Max du groupe Dance for Dance. Ah, ouais, okay. Compté qu'à un moment donné, tu sais, suite à leur gros grosse apparition avant Metallica sur les plaines d'Abraham lors du festival d'été. Ouais, il y a 10 ans à peu près, ça fait 2011, je pense. Ils ont fait une tournée. Je pense que c'est une tournée européenne. Je me corrigerai. À non, c'est pas correct. Je pense ou américaine ou quelque chose du genre. Mais genre, ils se sont fait voler leur stock. T'es-tu sérieux? Ouais, c'est malade. Fait que là, tu sais, ça a comme coupé leur élan. Là. Ouais, j'imagine. Comprends-tu? Fait que tu sais, quand j'ai vu vous allez être payé, là, ben tu sais, j'imagine que c'est un milieu-là, là, il y a des promoteurs qui font des petites affaires croches par-ci par-là, puis qui partent avec l'argent pendant que le show est en train de rouler. Là. Tu vois, genre, ça va être un monde assez particulier. Ouais, des croches, il y en aura toujours. Ah, c'est sûr. OK, le deuxième point, la deuxième promesse, vous allez voir le monde. C'est sûr que quand tu fais des shows, tu fais pas ça tout seul, peut-être. Là, c'est sûr, à cause de la pandémie, ils ne voient pas de monde, là, mais c'est vrai. Et la troisième promesse, vous allez avoir des points de suture. Je comprends pas. Ben, écoute bien ça. Il a terminé en disant, tout le monde dans ce band-là en ont eu des points de suture. Ils ont annoncé une tournée qui ferait... Ouais, c'est ça, dans le fond. Puis Alice Cooper, il a annoncé qu'il ferait une tournée avec nul autre que Ace Frehley. Actually, I'm a plumber. Ça, s'il n'est pas trop stone. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Ah, c'est un personnage. Oh, oui, c'est tantôt, on parlait de François Gaultier. Ouais, ouais. C'est François Gaultier. Là. Oh, oui. Il joue au poker avec. Tu en as déjà parlé, je pense. Salut, Frank. Donc, c'est ça, la tournée débuterait dans le fond le 17 septembre à Atlantic City, New Jersey, pour se terminer le 23 octobre à Atlanta, Georgia. Ben, les billets sont déjà en vente sur le site de Alice Cooper, puis j'imagine qu'il va y avoir un lien sur le site d'Ace Frehley si la personne qui est en charge du site a fait sa job. D'après moi, non. J'ai déjà parlé avec, puis il avait tellement l'air, là. Il était tellement pas là, là. Ah, il était... J'ai parlé avec le gars... Le gars qui s'occupe du site de Ace Frehley, là. Oh, ouais. Ah, écoute, il a de l'air d'avoir le. Ah, c'est spécial. Le cossin intellectuel d'une moule, là.
Un poteau au poulet? Oui, c'est ça. C'était bon. Une sandwich aux carottes. OK. On va parler maintenant de Megadeth. Ça a l'air qu'il y aurait peut-être un scandale impliquant le baiser de David Ellefson. Tu veux-tu en parler un petit peu? Oui, il semblerait que dans le fond, David Ellefson se serait mis un petit peu dans de beaux draps. Mm-hmm. On sait que dans le fond, David est un pasteur luthérien, marié depuis 27 ans. Il semblerait qu'il aurait été accusé de partager des vidéos et des images obscènes avec une femme, une jeune fille. Obscène, tu veux dire pornographique, là? Ouais, on sait pas trop, là. Ça fait de grossière indécence, ouais, là? Il se montre les fesses? Ouais, hein? C'est ça, exactement. Okay. Mais, puis la fille, elle serait mineure. Fait que, tu sais, c'est supposément, ça veut dire. Ouais. Mais là, on va continuer. C'est pas le fun, ce genre de nouvelles-là. Ça fait penser à Marilyn Manson. Ah, c'est sûr. Mais on n'a pas le choix d'en parler. Oui, je sais. Puis, par contre, la jeune fille, elle semblerait que... Elle dirait qu'elle était... J'étais pas mineure. Fait que, tu sais, d'après moi, elle était majeure. Tu sais, c'est un peu... Tu sais, des fois, là, il y en a qui ont besoin d'attention puis qui sortent des nouvelles. Ben, moi... Je me demande si la fille n'était pas comme consentante puis que juste pour faire parler d'elle, elle a... Non, mais elle mentionne que ça s'est toujours fait avec le consentement. Fait que c'est un peu louche. Ça, c'est des affaires de réseaux sociaux qui accusent du monde dans le vide. C'est ça. Tu voulais nous parler, toi, d'une mini-série qui s'appellerait Pam et Tommy... Hey, maudit, tu veux vraiment m'enlever le bout de la bouche? Ben oui, allez, je vais t'appeler Listerine Junior. Ah oui, exactement! Il va y avoir prochainement une mini-série intitulée Pam and Tommy. Vous l'avez deviné, c'est à propos de Pamela Anderson et Tommy Lee. Cette série va représenter le mariage entre nos deux tourtereaux après la sortie de leur fameuse sextape. Vous vous rappelez la fameuse sextape qui a fait le tour du monde en 1995? Ouais, puis qui est encore disponible sur... au marché aux puces! Excusez-moi les amis. On va parler de la distribution de cette fameuse série. C'est l'actrice Lily James qui jouera le rôle de Pamela Anderson et Sebastian Stan jouera le rôle de Tommy Lee. Et le tournage est déjà commencé. Ça a commencé le 5 avril dernier à Los Angeles. Est-ce que ça va être Pam et Tommy qui vont jouer le rôle? Non, je viens de le dire. OK, excuse-moi, je tiens pas. Lily James, elle va jouer Pamela Anderson. OK, Sebastian Stan va jouer Tommy Lee. Super. Puis j'ai été voir des photos, ils s'en ressemblent pas pire. Ah ouais, c'est cool ça. N'oubliez pas que le tirage se fera dans 14 jours, le 14 juin prochain. On est le 31 mai. C'est ça. Le tirage du grand gagnant, le gagnant de la grande finale également. Oui, c'est ça. Fait que si vous avez pas. On a sauté une semaine la semaine passée. Il fallait laisser du monde voter. C'est ça. Fait que si vous avez pas. C'est le temps. Hein. Si vous avez pas. Parlez-en. Cher futur gagnant. En participant, là, imagine-toi, là, un disque vinyle de ton groupe préféré est à la portée de ta main. Alors abonne-toi, participe, commente. Voilà. Alors, c'est ici que se termine notre émission 4.5 du Wrestle Rock Podcast. Nous invitons à nous suivre sur les médias sociaux. Nous sommes toujours à la portée de votre main avec Facebook, Twitter, Instagram. On vous invite d'ailleurs à vous abonner à notre page YouTube. Nous sommes disponibles sur Spotify, Apple Podcasts et plusieurs autres. Balados Québec. Merci beaucoup. Et là, c'est vrai, là, j'arrête pas de dire qu'on s'en revoit en juin, mais là, c'est vrai qu'on s'en revoit le 14 juin. Alors, soyez au rendez-vous, les amis, le 14 juin prochain. L'action ne manquera pas. Bonsoir. I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! A spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office."